Attention, contact imminent. Souple sur les genoux. Souple, souple, souple. Eh ben voilà le travail. On est en plein milieu du chenal à Orléans. Et qu'est-ce qui se passe? On touche. On est confronté à un banc de sable, à un cul de grève. Ça passe pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant des décennies, on a été prendre du sable dans le lit de la Loire, à tel point qu'on a abaissé le niveau d'un mètre à Orléans, 2 mètres à Tours et 3 mètres à Ancenis. La Loire produit chaque année entre 500 000 tonnes et 1 million de tonnes de sable. Et on en a pris en région centre jusqu'à 6 millions de tonnes, à tel point qu'on a puisé dans les ressources. Ça a créé un goulet, ça a accéléré le courant et ça a abaissé le niveau de la rivière. Bilan des courses aujourd'hui, on navigue sur des cailloux à l'étiage quand la Loire est basse. Et maintenant, on laisse revenir le sable. Donc petit à petit, le sable revient. Mais le temps qu'il pousse l'eau, nous, on n'a plus l'eau. L'année dernière, on passait, le bateau, il passait ici. Et petit à petit, le sable progresse. Et ça va continuer comme ça, de toute façon, il n'y a pas le choix. Et d'ici quelques années, l'été, on ne pourra plus naviguer à Orléans. Il n'y aura que du sable. C'est une catastrophe pour tous les ouvrages d'art qui ont été construits au 19e siècle, avant qu'on drague à outrance. Ils étaient prévus pour être au plus bas, à l'étiage, être recouverts. Ici, on a par exemple des digues submersibles. Et vu qu'il nous manque 1 mètre de hauteur d'eau, les digues submersibles, elles sont découvertes. Bilan des courses, toutes les fondations qui sont avec des pieux en bois qui dépassent et qui doivent être dans l'eau quasiment imputrescible et éternelle, elles sont en train de pourrir. Et on voit bien, on aperçoit quelques petits picots là qui dépassent, et on en voit par ailleurs sur tous les ouvrages, qui commencent à se détériorer. Enfin, qui continuent, parce que ça date d'un petit moment. Et d'ici à ce que le niveau de la Loire remonte pour remettre tout ça sous l'eau, les dinosaures seront revenus.